La vie en Mauricie avec Catherine Brisson. Bonjour et bienvenue à La vie en Mauricie, édition du vendredi. Et vous le savez maintenant, ça fait partie de nos bonnes habitudes. Et c'est tant mieux parce qu'on cuisine à La vie en Mauricie à tous les vendredis avec les produits du marché Godefroy. Et notre chef qu'on aime tant, sex symbole à 16 heures, Fred Chapuis. Ouh! C'est une belle présentation. Ah, j'aime bien ça, ouais, c'est le fun. Et aujourd'hui, ça commence déjà à sentir la pomme. Mm-hmm. Ça sent très bon et tu vas nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on va faire. C'est une recette qui est simple que vous allez faire absolument cette fin de semaine. C'est sûr et certain. Vous allez avoir le goût de la faire. Recette rafraîchissante en plus, c'est qui va nous aider à digérer. Oui, parce qu'en fait, on fait un granité aux pommes et romarin. Donc, tu sais, pomme et romarin, c'est vraiment un mélange, un mariage parfait. Oui, ça, c'est vrai. Et alors, toi, c'est un granité, pour quelle raison? En fait, on s'en sert comme trou normand, si tu veux. Tu sais, pour dans un grand repas, 5, 6, 7 services, là, en général, on a toujours... Cette petite pause, on a une petite pause après la deuxième entrée. Tu sais, souvent, c'est une entrée froide, le potage, entrée chaude. Après ça, on a le plat principal et le dessert. Donc, ça commence à devenir lourd un peu. Alors, pour alléger ce repas-là, on va prendre un trou normand qu'on appelle. Mais en fait, c'est pas qu'on va vraiment digérer, c'est qu'on aura une pause. Non, c'est une pause rafraîchissante, oui, exactement. Ça. Puis ça va aider à faire passer le plat principal. Le reste du repas. La dinde de Noël. Et pourquoi un granité et pas un sorbet? Alors là, c'est quoi la différence? C'est une très bonne question parce que justement, le granité, en fait, tu verras, notre liquide qu'on est en train de préparer, on va le mettre au congélateur. Il va geler comme ça. Puis on va simplement le brasser avec un fouet. Donc, briser la glace, en fait, tout simplement. Donc, il y aura encore des gros morceaux de glace, mais ils vont avoir une saveur de... Bon, là, en l'occurrence, ça va être des pommes. Mais sinon, on fait un sorbet, là, on le passe dans la turbine, puis on rajoute des blancs d'œufs. Dans la sorbetière aussi. Dans la sorbetière. Là, il n'y a pas de sorbetière. Parce que ça devient ardu, puis on n'a pas nécessairement tout le monde dans une sorbetière chez eux. Et je vais y arriver, là, c'est pénible aujourd'hui. Oui, c'est vendredi, hein? Alors, on dit une sorbetière, mon cher Fred. Une sorbetière, merci. Alors, quand on commence justement la préparation, on a fait bouillir du jus de pomme qui nous vient de chez Pomme-à-Tout du marché Godefroy. Oui, que j'ai pris au marché virtuel, là. Et alors, là, j'ai rajouté, donc là, il y a deux tasses de jus de pomme. J'ai mis une tasse de sucre, puis là, on rajoute un demi jus de citron là-dedans, OK? On porte ça à l'ébullition. Donc, juste le brasser un petit peu, pas trop, pas nécessaire. C'est juste pour que vraiment le sucre soit dissous. Ça mélange bien. Mais on fait bouillir combien de temps à peu près? Alors, dès qu'on arrive à l'ébullition, on va rajouter le romarin. Et le romarin, lui, on va le laisser infuser 10 minutes. Pas plus, parce que sinon, ça va être un petit peu trop fort. Et il ne faut pas non plus que le romarin prenne trop de place. Non, parce qu'il faut dire aussi, la pomme, c'est assez léger aussi comme goût. Puis si on veut garder... le vrai goût d'une bonne pomme croquante, parce que c'est exactement ce que ça va goûter. C'est exactement ça, en plein ça. Mais tu vois, par exemple, le romarin, là, j'ai mis 4 branches, pas trop grosses quand même. Puis, une fois qu'on a atteint l'ébullition, justement, 10 minutes, mais on ne laisse pas bouillir 10 minutes. On va éteindre le feu. Là, on laisse infuser. Là, il y a une différence là-dedans entre infuser et laisser bouillir. Si on laissait bouillir 10 minutes, c'est que le romarin goûterait vraiment trop. Ça prendrait beaucoup trop de place, exactement. Okay. Tandis que infuser 10 minutes, ça sera juste le temps de prendre un petit peu le goût du romarin. Mais il ne faut vraiment pas que ce soit trop fort, trop présent. Ce n'est pas le but. Et admettons qu'on n'aime pas le romarin, est-ce qu'il y aurait peut-être un autre aromate? Avec la pomme, je te dirais peut-être le thym. Oui, ça irait. Aussi. Basilic, je sais pas. Basilic, c'est un petit peu trop fort. Puis, non, mais au niveau bon teint, je pourrais peut-être essayer la sauge. Mais là, la sauge, alors là, faites attention parce que la sauge, c'est très, très, très présent. Donc, mettons, pour la même quantité, je rajouterais peut-être 4 feuilles maximum de sauge. Mais, c'est très fort. Je pense qu'on peut faire aussi des tests à la maison. Si vous n'aimez pas le romarin, vous pouvez essayer d'autres aromates, comme on le disait, ou juste... du jus de pomme et du sucre et jus de citron. Hein? Ah, on n'est pas obligé de mettre le romarin. Ben moi, je veux mettre le romarin parce que ça va dans un menu, mettons, thématique. Plus dégustation. Oui, exactement. Mais si tu veux t'en servir comme dessert, mettons, parce que ce n'est pas un dessert. Non, 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 faut le dire. Alors, si on veut s'en servir comme dessert, ben, on enlèverait le romarin. Mais même à ça, avec le dessert, ce serait parfait pareil. T'sais, je veux dire, pomme romarin en dessert, pourquoi pas? C'est original. Oui, un granité avec peut-être une tarte aux pommes. Je dis ça comme ça, un mélange. Oui, tarte aux pommes, pourquoi pas? Mais parce que là, il y en aurait trop de pommes, ouais, là, peut-être. T'as raison. Bon, j'essaie d'y aller de mes suggestions de chef, mais vous voyez, c'est pas mon domaine. Il veut pas. Il s'obstine. Oui, madame. Alors, on coule justement notre jus, on enlève le romarin. Oui, il faut enlever le romarin, exactement.
Donc là, mettons qu'il y a infusé 10 minutes. C'est sûr que là, on ne peut pas se permettre de l'infuser pendant 10 minutes. Mais là. Admettons que. Alors, tout ce qu'on va faire après, ben, on va le mettre, transférer dans un plat. Puis, on envoie ça au congélateur. Le temps que ça gèle au complet. Donc, mettons toute une nuit, là, ce serait correct. Mais avant de le mettre dans le congélateur, faites attention, mettez-les pas chauds. Non, faut parce attendre. Que la raison pour est fort simple, parce que si vous mettez un liquide chaud dans votre congélateur, ça va réchauffer votre, votre congélateur au complet, finalement. On va perdre la froid. Le reste de votre marchandise, en fait. Et aussi. Ouais. Alors, justement, on met ça au congélateur. On revient après la pause à la vie en Mauricie avec ce granité et tour de magie télévisuel. Ce sera congelé, mes amis. Restez là pour ce granité de pommes et romarin à la façon fraîche et puis à la vie en Mauricie. Alors, on poursuit notre recette de granité aux pommes et romarin façon Fred Chapuis. Alors, Fred, on a laissé notre préparation du début passer une nuit au congélateur. Au congélateur. Magie de la télé, ça a pris. Non, mais j'ai beaucoup de talent. Hein? Oui. Et voilà. Comme Harry Potter. Bravo. Pareil. Là, c'est sûr et certain, vous allez voir la texture, là, est pas trop dure à cause du sucre. Le sucre fait en sorte que ça ne gèlera pas au complet comme de la glace. Là. Alors là, il sort carrément du congélateur. Puis vous voyez, je suis capable d'aller le chercher avec ma cuillère. Alors, tout ce qu'on fait, moi, j'ai un robot culinaire ici. On ne serait pas obligé de le passer au robot. Vous allez voir la différence. Moi, je pourrais le servir directement comme ça. Ça, c'est un granité. Dans le Parce sens qu'il y a encore des morceaux ici, de glace qui sont imbibés de jus. Bon, ben, je vais me mettre le doigt dedans, je vais le manger bravo. Finalement. C'est bien. Par contre, là, vous allez voir, qu'est-ce que ça va faire, en fait, en le passant dans le robot, on va l'émulsionner. Alors, une émulsion, automatiquement, là, ça va blanchir mon... vous allez voir le granité, la différence. Ça donc, ça va lui donner plus un aspect... Une texture aussi, sorbet un peu, si on veut. Mais comme je disais, on ne peut pas appeler ça un sorbet. Non. On est granité. Prêt? On est prêt. Alors, ça fait un peu de bruit, mais c'est pour la bonne cause. Alors là, on le voit déjà, là, qu'il commence à changer. Puis on évite de le laisser tourner trop longtemps parce que ça réchauffe notre masse. Hein. Puis on ne veut pas que ça fonde non plus. Non, absolument. Ouais. Je vais juste l'aider justement en poussant un peu mes morceaux. On va lui donner un coup de pouce. Oui. Et Fred, oui. Bon, là, on le fait avec une pomme, mais est-ce qu'on aurait pu le faire avec d'autres fruits? Je pense entre autres à un jus de poire. Oh oui. Mais sais-tu ça doit être bon, ça? Oui, poire, là, je laisserais aussi avec du romarin, par exemple. Oui. Poire et romarin, ça serait vraiment bon. Ou sinon, si tu veux le faire avec orange, pourquoi pas, tiens. On pourrait faire exactement le même principe, les mêmes quantités. Donc, une tasse de jus d'orange, une demi-tasse de sucre. Le même principe, la même façon de le faire. Le jus qu'on aime aussi. Hein? Ça peut être... On peut le faire avec les enfants. Moi, c'est ce que j'aime pourquoi de cette recette. Pourquoi pas avec la fraise aussi? Oui. Tu sais, les fraises du Québec qui sont congelées. Mettons qu'on a congelé ce printemps pendant que c'était le temps de les congeler. Et on pourrait faire exactement le même principe. Fraise, moi, je mettrais du basilic, par exemple. Basilic, fraise et basilic, ça irait bien. Comme ta recette avec fraise, basilic et poulet. Qu'on avait fait le poulet. OK, c'est terminé. Alors, vous voyez, c'est quand même simple. Puis, vous voyez le résultat? Regardez ici. Oh, tu vois? Oui! Il a moussé un petit peu. Mais il est encore en glace, on voit ici. Là. Alors, mettons, pour le servir, on pourrait... Moi, j'ai pris une petite flûte. Donc ça, pour vos convives, là, avant le plat principal. Mais, bon, désolé, je suis pas mal généreux parce qu'il ne faut non plus pas que ce soit trop. Ouais. Mais est-ce qu'on doit le laisser au congélateur, disons, ou il faut vraiment le préparer dernière minute? Bien, écoute, cette masse-là qui est faite là, moi, je pourrais la remettre au congélateur. Ça y redonnerait une petite solidité quand même. Mm-hmm. Par contre, après ça, si tu veux, tu peux carrément, c'est sûr, s'assurer d'avoir une coupe froide. Qu'on peut laisser au congélateur On pourrait laisser aussi, au congélateur puis la sortir au moment opportun. Mais sinon, c'est sûr que ça ne se prépare pas trop d'avance. Non. Puis regarde, mettons, je ne sais pas, moi, j'ai des petites oranges que j'ai faites sécher. Puis on va aller rechercher le petit romarin. Comme ça. Oh! Comme ça. Non, et voilà. Regardez si c'est beau. Ça nous fait un petit un genre martini de pommes. Si on veut. Hein? Puis tu sais, là-dessus, là, on pourrait rajouter aussi un petit calvados, petit alcool. Là-dedans. Si, calvados, c'est à base de pommes. De pommes, pour aller chercher la pomme. Mais normalement, trop normand, là, c'est quoi? C'est vodka, c'est un colonel, finalement, qu'on appelle. Colonel, c'est sorbet citron avec vodka. Tandis que là, bon, ben là, ce ne sera pas un colonel, c'est un général. Oh, un général! Je sais pas si ça s'appelle de même. Moi, je vais l'appeler un Fred Chapuis, tiens. Ah, ben oui, hein? Le Chapuis 2010. Ben, je vais goûter, évidemment. Ouais, goûtez. Pour vous dire si c'est bon ou pas. Là. Exact. On prend pas de chance. Le sucre, c'est à votre goût. On pourrait... Parce que là, le jus de pomme, là, il est quand même assez sucré. Ça dépend aussi de...
Mais tu sais, mes amis, c'est bon. Avec le petit goût de romarin, là. Et le romarin, tu as raison, faites-le pas infuser trop longtemps non plus. Tu vois, juste en fin de bouche qui sent bien oui, le romarin. Parce que c'est vrai que c'est assez puissant comme, comme herbe, mais j'avoue là, que c'est génial avec la pomme. Et ça nous a pris moins de 15 minutes. C'est de laisser congeler, de toute façon, qui est le plus long dans la recette. Exact. Faites des mots croisés en ce temps-là. Oui. Ou d'autres recettes. Ou profitez-en pour aller sur le site Internet dumarchégodefroy.com. Hey, non, mais y a-t-il un beau lien ici avec le marché virtuel? Vous le savez, vous pouvez maintenant vous procurer ces produits du marché Godefroy. Vous savez, quand vous y allez l'été, vous pouvez faire la même chose, mais de façon Internet et aller chercher tous les jeudis vos produits. Alors, c'est une belle façon, justement, de redécouvrir. En plus, il n'y a même pas de frais d'adhésion. On ne paye pas de frais d'adhésion. Et tu peux, on paye pas cash par Internet. C'est génial. Alors, marchégodefroy.com, Fred Chappie, merci. Bonne semaine. Ça fait plaisir, Catherine. Bonne semaine. Salut.